Koury. Je suis comptable au Centre Suisse de Recherche Scientifique. Je suis le responsable financier aussi du programme Afrocoin Aspire, qui est logé au niveau du Centre Suisse. Alors, mon plus grand souvenir, c'est le jour où la DAF, la directrice administrative financière, m'a annoncé que je serais le responsable en fait en charge du programme Afrocoin. C'est vrai que par le passé, j'ai eu à gérer quand même des projets assez grands, comme par exemple le PASCRES, le FERMED, le NCCR, qui étaient des projets, en tout cas de grande envergure. Mais Afrocoin, par contre, était un programme assez particulier. C'était un consortium qui regroupait plusieurs pays et puis plusieurs nationalités et plusieurs langues en fait, voilà. Les anglophones et les francophones. Donc lorsqu'elle m'a annoncé en fait que je devais gérer ce programme-là, franchement, j'étais tellement heureux. J'étais heureux et en même temps, pour moi, c'était un défi qu'il fallait relever parce que je n'avais pas encore eu affaire à ce genre de programme-là. Il fallait interagir avec des gens qui sont à plusieurs kilomètres et qui ne parlent pas aussi le même langage que vous. Donc franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quand même relever ce défi-là, voilà. C'est le défi de la communication, le défi aussi de pouvoir assurer le travail qui m'a été confié. Mon souhait, c'est que le Centre Suisse puisse grandir davantage, que le Centre Suisse soit un centre de référence en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et pourquoi pas à l'international. Que nous puissions avoir quand même des fonds de plusieurs bailleurs, des grands bailleurs en fait, que nous connaissons, tels que le Welcome Trust, tels que Bill et Melinda Gates, USAID, en fait, tous ces grands bailleurs-là, il faut que vraiment tous ces grands bailleurs puissent investir, puissent financer des projets qui seront légers au niveau du Centre Suisse.